Take your last cowering breath before in the dawn. Did you think we'd leave you some rest without the fall? We will count our fingers twice, begin the countdown. Trying to find an unexpected flight, it starts your roar. Count our fingers twice, twice. Salut, salut. On s'appelle Juicy et on est là pour J'aime encore bien au point culture. Le premier disque qu'on a choisi, c'est un disque de Destiny's Child. Say my name, say my name. No one is around you. Say baby, I love you. You ain't running game. Say my name, say my name. You acting kind of shady. Ain't calling me baby. Why the sudden change? On s'est rendu compte qu'il y a tellement de tubes sur ce disque. Ouais. Et aussi que ça c'est complètement lié à tout le projet de cover qu'on a eu pendant 2 ans et demi avant de sortir nos compos, où on reprenait des morceaux de, entre autres, ouais, les Destinies et d'autres. Big up. Big up. Alors, on a pris comme film Yaxton, La Chasse. Hvad er det for, hvad er det der skidt? Ja, det kan jeg ikke sige. Måske det bedste, at du tager fri et par dage, så kan vi få det her på plads sådan stille og roligt. Hvis du har rørt min lille datter, så får du en kugle lige i panden. Donc bah, c'est un film qu'on adore toutes les deux. Un film, on a beaucoup beaucoup pleuré sur ce film. C'est horrible, c'est une histoire super triste, mais c'est un magnifique film. Et puis on adore aussi l'acteur. Qui ressemble très fort au papa de Sacha. Oui, c'est pour ça que j'ai beaucoup pleuré aussi. Et voilà, à voir absolument. Réalisateur incroyable, ouais. Winterberg. Okay. On a pris un disque live de Jeff Buckley. Parce qu'on adore. C'est un chanteur incroyable, un super bon musicien. Et c'est... Il a étudié la musique indienne et il le glisse dans sa musique, ouais, qui est un peu pop-rock et c'est un mélange hyper intéressant. Ah bah on a pris un petit disque de Moran. Lorsque j'entends sous prélude de Bach. Parce qu'en fait, elle est morte hier soir, décédée hier soir et on voulait lui rendre hommage. Parce que c'est quand même une artiste qu'on a écoutée étant petite. Et puis c'est une artiste belge et c'était une chanteuse quand même incroyable. Ouais. Ouais. Très bonne chanteuse. Et elle est morte beaucoup trop tôt. Donc voilà, big up Moran. On a pris un disque de David Lynx et Dietrich Whistles. C'était nos profs au conservatoire de Bruxelles. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Du coup, c'est important. Et puis on a beaucoup appris de ces deux musiciens. Et on a pris Henri Salvador. Méditerranée, tous les flanflans, les airs démodés, une orange pressée. Artiste qu'on adore aussi. Surtout ce disque. Surtout ce disque, il y a Jardin d'hiver dessus et pas que Jazz Méditerranée que moi j'adore. On termine avec le grand classique Love Supreme de John Coltrane. Disque très beau. Et moi, ce qui me plaît aussi dans ce disque, c'est que c'est une suite et c'est un truc qu'on a pas de cette manière-là, mais qu'on a envie de faire dans les projets qu'on travaille, que ce soit un EP ou un album. On a envie que ce soit lié ou par une thématique ou par le son, mais penser album comme une histoire, c'est quelque chose qui est important pour nous. Ouais. Et bon, là, c'est carrément une histoire. Et donc voilà, et puis on adore le jazz et c'est. Et on aspire à vraiment mettre ces influences-là dans notre musique aussi. Ouais. Je sais pas si tu veux encore dire. Ouais, pour que ce soit riche et pouvoir montrer aux gens et faire écouter aux gens d'autres choses. D'autres choses, ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, merci beaucoup.